Voilà, je voulais vous montrer pour commencer, vous faire entendre la bande sonore de Voyage au centre de la Terre, donc édité par l'Imprimerie. Et donc là, on va circuler dans le livre application pour voilà, observer quelles formes d'interaction sont proposées. Donc bien sûr, ce n'est pas du tout un parcours exhaustif, je vous laisserai aller plus longuement dans la découverte vous-même. Donc des définitions de termes apparaissent quand on clique sur le lien du terme qui est en gras. Alors là, donc quand on appuie sur chaque petit cercle, normalement on entend un extrait sonore. Voilà la dictée de mots. Et ici, alors on peut lire de manière tout à fait linéaire le texte de Jules Verne, mais on peut aussi choisir son propre parcours de navigation. Dans le chapitre 2, un choix est proposé au lecteur. Voulez-vous détruire le manuscrit? Oui. Quel dommage. Mais je peux revenir en arrière et décider de poursuivre la lecture. Donc là non plus, malheureusement, vous n'entendez pas les bruitages sonores. Qui matérialise les différentes stations du voyage. L'image s'anime pour chaque chapitre, chaque première page de chapitre. Et puis la lecture du texte est complétée par des clés de lecture sous forme de jeux, des quiz. Ici, c'est pour marquer, c'est le signé. Gagné. Voilà, un petit tour rapide.